Salut la team des prévoyants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle semaine pour une nouvelle vidéo au plein soleil parce que l'été est là quand même, hein, faut en profiter, ce serait dommage. Moi sur le temps d'un week-end je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être cool de vous faire un petit test de fumigène encore. Je vous avais montré ça il y a quelques temps sur la chaîne, on avait fait plein de petits essais de torches à main, de fumigène, de même de pétards en général au début de la chaîne. Et là aujourd'hui je voulais vous faire ce petit test d'un fumigène italien, Torsiamana, un beau fumigène bleu normalement pour signaler. On est toujours dans le cas de si jamais on veut faire la fiesta, montrer qu'on est content, faire de belles fumées, sortie de stade, fiesta, anniversaire, 14 juillet, tout ça. Moi je le parle plus dans le stade d'un sac d'évacuation. Surtout, juste avant que je déclenche, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, surtout à partager la vidéo, ça fait plaisir, mais surtout abonne-toi, c'est genre gratuit et ça me fait monter dans les stats et à un moment on aura 1000 abonnés, donc ce serait vraiment géant que tu t'abonnes. Voilà, c'est tout. Je me mets un petit peu à distance pour que vous voyez la fumée dans l'ensemble. Regardez-moi cette putain de flamme, cette fumée. Ça fait après un bon gros cigare des familles. Vous l'avez peut-être pas vu, mais à un moment quand vous avez pris plein de fumée dans la tronche, c'est monté hyper haut. Et par contre, c'est de la fumée qui se dissipe plutôt facilement. Voilà, on va attendre que ça s'éteigne tranquillou. Vous pouvez largement le tenir complètement dans la main. Hein, c'est pas chaud. Hein. C'est chaud que sur la moitié, ça a cramé que sur le dessus. Belle combustion. Vous avez vu la belle flamme que ça fait. Donc on est sur un fumigène qui était noté en bleu mais avec une fumée blanche. Je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que ce soit vraiment bleu bleu. Finalement c'était blanc blanc. Hein. Vous êtes témoin. En tout cas n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, commentaire, partager la vidéo et surtout abonne-toi une nouvelle fois. Je te laisse deux autres vidéos de la chaîne pour au cas où voir ce que j'ai fait en sac d'évacuation, en test de bouffe, en survie en général. Et on se retrouve une prochaine. Ciao ciao.